on voit la taille du secteur associatif, 10 000 associations qui ont exprimé un intérêt pour le numérique, c'est bien, mais on peut faire beaucoup plus. Et c'est pour ça que cet événement s'appelle aussi 10 000 associations et au-delà. Donc il y a un usage utile, solidaire, du numérique, dont on peut trouver les répercussions partout. Et donc voilà, c'est tout ce mouvement-là que je pense nous avons, chacune et chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où on travaille, une responsabilité pour s'y engager. Et j'espère que chacun ou chacune d'entre vous ressortira de cette fin d'après-midi avec encore plus d'énergie, encore plus de projets, encore plus de force de conviction et encore plus d'envie de travailler ensemble. Donc merci beaucoup et bon après-midi. Je trouve ça vraiment enthousiasmant de voir toutes ces personnes qui sont intéressées par le sujet du numérique au service des associations. Moi j'ai trouvé ça passionnant parce que ça m'a permis de voir effectivement d'autres projets qui peuvent m'intéresser. Donc je vais essayer de rester en contact avec ces gens-là. Et après au travers des échanges en atelier de brainstorming, là aussi j'ai rencontré d'autres expériences qui me donnent envie de continuer à partager et à échanger, bien sûr. Je dis bravo que vous puissiez rassembler des associations. On voit que les associations ont beaucoup à partager, beaucoup se posent les mêmes questions. La démonstration aujourd'hui a été faite que vous aviez des compétences pour mettre en relation les associations et leur permettre d'échanger. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les projets qui sont présentés, qui embarquent pas mal de monde autour de... Et on voit qu'il y a plein de choses à faire, donc on apprend tous les jours.